Alors voilà, je vous présente le Cowboy. Alors, le Cowboy, c'est donc un vélo connecté, conçu par une petite boîte bruxelloise, start-up évidemment. C'est un vélo connecté qui a plusieurs caractéristiques. Donc la première, évidemment, c'est le design. Vous voyez, assez classe. C'est d'abord un city urbain, un vélo urbain, totalement urbain. C'est un vélo tout à fait connecté. Regardez, pour l'allumer, on se sert de son smartphone. Hop, voilà, je pousse sur le bouton ici. Le vélo est allumé. Les phares se commandent aussi au départ du téléphone. Allumé, éteint, allumé, éteint. Voilà. Alors, deuxième caractéristique, ce vélo n'a aucun interrupteur nulle part. Il a juste des témoins ici, qui sont le témoin de charge de la batterie. La batterie du vélo est située dans le cadre du tube, le tube de sel ici. C'est là que se trouve la batterie. Alors, ce vélo s'allume donc au départ du GSM. Vous voyez aussi que le style tout à fait dépouillé et classe, on le retrouve également sur le guidon, puisqu'il n'y a ni changement de vitesse, ni modulateur de puissance du moteur. Le moteur lui-même se trouve dans la roue arrière. Il est ici. Alors, puisqu'il n'y a ni changement de vitesse, ni modulateur de puissance, eh bien, vous avez à l'avant un grand plateau et à l'arrière un tout petit pignon. Avec grosse caractéristique, une courroie, vous la voyez ici, qui n'est pas une chaîne, qui est une courroie en carbone. Donc ça, c'est super pour les taches sur le pantalon. En ville, vous n'aurez jamais de taches sur votre pantalon avec un vélo de ce type-là. Alors pourquoi est-ce que c'est particulier ? Ben, il y a un vélo électronique avec plein de capteurs à tous les endroits, notamment un capteur de puissance dans la pédale. Si on appuie fort sur la pédale, le vélo va le sentir et il va envoyer de la puissance avec le moteur. Donc quand on démarre, on y va, c'est parti, et on va se retrouver assez rapido avec une vraie assistance électrique. Je démarre. Vous voulez en vite de manière, parce que vous avez envie de produire un peu.